In this lesson, we will see together les locutions conjonctives, but more precisely, we will see d'un commun accord. So let's first define what are les locutions conjonctives. Conjunctional locutions or locutions conjunctive in french are groups of words or phrases that function as conjunctions to connect words phrases or clauses in a sentence these locutions are important for expressing various relationships between different elements in a sentence So, this lesson is about d'un commun accord. The conjunctional locution d'un commun accord is translated to by mutual agreement in English. So, we'll see some examples with d'un commun accord. D'un commun accord, ils ont décidé de reporter la réunion à la semaine prochaine. D'un commun accord, ils ont décidé de reporter la réunion à la semaine prochaine. D'un commun accord, les voisins ont convenu de partager les frais d'entretien de la clôture. D'un commun accord, les voisins ont convenu de partager les frais d'entretien de la clôture. D'un commun accord, les deux parties ont signé un contrat de partenariat. D'un commun accord, les deux parties ont signé un contrat de partenariat. D'un commun accord, nous avons décidé de changer la date de la fête d'anniversaire. D'un commun accord, nous avons décidé de changer la date de la fête d'anniversaire. D'un commun accord, ils ont choisi de nommer un médiateur pour résoudre le conflit. D'un commun accord, ils ont choisi de nommer un médiateur pour résoudre le conflit. D'un commun accord, les membres du comité ont décidé de réviser les statuts de l'association. D'un commun accord, les membres du comité ont décidé de réviser les statuts de l'association.